Une marche défilée, rythmée par une fanfare pour commémorer la journée annuelle Eunice Kennedy Shriver IQSD. Cette journée célébrée à travers le monde rassemble des personnes vivant et sans déficience intellectuelle en vue de participer à des activités sportives. C'est donc à cœur joie que les participants ont pratiqué des étirements, des échauffements, le mini-cross sur 8 km et la gymnastique au sol. Cet événement est un hommage à Eunice Kennedy Shriver, sœur de l'ex-président américain assassiné John Fitzgerald Kennedy, pour sa contribution au sport international et pour sa lutte en faveur des personnes défavorisées. IQSD 2013, célébré en Côte d'Ivoire, est une initiative de Special Olympics Côte d'Ivoire créée en 1991 et qui est un programme international de sport pour les handicapés intellectuels en collaboration avec l'association Sport dans ma vie. Nous lançons un appel aux parents pour dire que de ne pas cacher leurs enfants, de les envoyer à Special Olympics Côte d'Ivoire. Notre objectif premier, c'est le sport. J'avais 3 ans. J'ai pas dit que le sport. Il me sent bien. Je vous conseille, jeune cadre, quel que soit le moment, quelle que soit la profession que vous exercez, chaque samedi, chaque dimanche, chaque jour de la semaine, faites quelque chose, marchez. Moi, je suis là, je ne fais pas de compétition, je marche seulement. Special Olympique Côte d'Ivoire compte à ce jour 3314 athlètes handicapés intellectuels réunis dans 23 clubs appelés sous-programmes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Rappelons que ce programme a été fondé en 1968 aux États-Unis et il est accrédité dans plus de 180 pays à travers le monde.